J'ai découvert, grâce à un ami, en fait, un courant musulman que j'ignorais, qui s'appelle les Bektachis. C'est un courant qui était particulièrement important à mes yeux aujourd'hui parce qu'il est hyper tolérant. C'est une religion qui laisse beaucoup de place au libre arbitre, à l'indépendance du point de vue. Chacun choisit un petit peu de pratiquer comme il veut. C'est une religion où, pour moi, très moderne dans sa manière de voir, parce que elle n'est pas de l'ordre du souci moral ou de la contrainte ou des obligations collectives. Chacun, à l'intérieur du bektachisme, est assez libre de pratiquer comme il veut. Donc c'est de l'ordre de la conscience individuelle plus que de la pratique collective. Chez les Bektachis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils revendiquent vraiment tous les livres sacrés. À partir de la Torah, bien sûr la Bible, jusqu'au Coran. Et leur livre de prédilection, c'est vraiment le Coran. Ils se disent, eux, en tout cas, musulmans. La grande réunion des Bektachis a lieu chaque année au mois d'août, au sommet d'une montagne très sauvage, en fait, en plein milieu de l'Albanie, qui s'appelle le Mont Tomor. Et donc le film raconte la rencontre entre deux jeunes occidentaux, on va dire, un jeune français d'origine bektachi et un jeune belge d'origine marocaine, vivant à Molenbeek. Et donc le premier amène le second à la découverte de sa manière de croire. Je voulais faire ce périple avec un jeune de Molenbeek parce que je disais que ça pouvait parler aujourd'hui plus que jamais à tout le monde en Belgique, en Europe, même dans le monde en fait, tu vois, de voir un gars qui vient de cette commune qui est censée symboliser tellement de problèmes aujourd'hui. C'est pour moi une des richesses potentielles du film en fait. C'est non seulement de faire découvrir les Bektachis, mais aussi de faire découvrir des jeunes musulmans sunnites que l'on côtoie aussi essentiellement dans les pays occidentaux de manière différente. Est-ce que l'islam autorise à tuer des gens? Non. Est-ce que l'islam autorise à terroriser les gens? Non. Est-ce que l'islam autorise à commettre des actes ignobles? Non, pas du tout. Redouane est très attaché au rituel, à la forme de sa foi. Et les Bektachis le sont beaucoup moins, ce qui n'arrête pas de le dire, et surtout le derviche et puis le baba. Le baba, c'est le chef des derviches, on va dire, une sorte de pape des Bektachis, Baba Mundi. C'est que c'est l'homme qui prime avant le type de foi qu'on a, le type de culture qu'on pourrait avoir. Et donc, c'est le contenu, en fait, de l'amour, de la générosité, de la manière dont on essaie de se dégager de son égoïsme et de toutes ces notions-là, c'est bon pour les Bektachis, beaucoup moins lié à la forme, au respect des règles, des obligations, etc. Il se fait que Redouane, qui est un jeune gars quand même de 25 ans, est très attaché aux règles, aux formes. Et c'est vraiment ce qui différencie les deux manières. Soufis, c'est un peu la voie du milieu. Tu vois, entre les chiites. C'est très spirituel, le soufisme. C'est très, très spirituel. Alors eux, ils se disent mystiques. Bon Ramazan. Ramazan. Alors, il dit que chez les sunnites, on fait un mois le Ramadan, oui. Mais eux, ils font 365 jours le Ramadan. Comment ça? Ils se sont rencontrés absolument au moment du tournage. La première scène où ils se voient à l'aéroport, c'est la vraie scène où ils se découvrent. Ouais. Et là, c'est un pari. Hein. C'est un pari parce que ça pouvait fonctionner, ça pouvait pas fonctionner. Bienvenue, Redouane. Bienvenue. Enchanté. Salam alaikum. Alaikum salam. Je te remercie. Allez, bienvenue. Merci beaucoup. Ça comprend la voiture qui est dehors. Bon, c'est un bon voyage? Très très bien, merci. C'est cool. C'est la première fois en Macédoine, hein? Première fois dans les Balkans, première fois en Macédoine. Bon, bah, tu vas voir, c'est pas mal. Et il se fait que... Ils n'ont pas arrêté. Dès qu'ils se sont rencontrés, ils n'ont pas arrêté de parler, d'échanger. Et donc, une sorte d'amitié qui est née... incroyablement sous nos yeux en fait. Ça va te dépayser. Comment il fait ici le temps? Il fait chaud. Il fait chaud? Ah ouais. Tu vas voir, il fait très chaud. Mais en même temps, le soir en montagne, il fait frais. Donc c'est bien d'avoir un petit pull. J'imagine que tu as prévu ça. Oh ouais, tu es prévenu. On t'a prévenu. Bon, c'est cool. Allez, on a gardé un peu. Merci. Pour moi, c'est une superbe rencontre. Et donc, il y a beaucoup d'humour.
Et parler de religion avec humour, c'est quand même déjà ça. Bon, ça m'a déjà ça m'a plu. Et ça vient pas de moi, ça vient d'eux. Donc voilà. Et puis ce fait qu'il y a une légèreté chez les Bektashi aussi. Il y a une certaine voilà. Donc je me suis inspiré de ça. Bon, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de moments assez cocasses dans le film qui sont à l'encontre de ce qu'on pourrait avoir comme idée a priori sur un film sur le sacré, sur le sérieux, les thèmes vraiment fondamentaux. Bah voilà, ça m'a plu encore plus. Voilà. J'espère que ce sera voilà, que ce sera bien perçu par le public, quoi. Bon, ben Moussafir, tu vas monter où, toi ? À côté de Marie ? À côté de la dame ? Ah oui ? Granda fidele, acht mefa, Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.